Alicia, on peut pas être plus au cœur de l'action. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 12 000 interventions en moyenne par jour des pompiers. Alors, ça représente des hommes et des femmes qui viennent nous secourir. Mais Patrice, ça représente aussi des moyens. Oui, tout à fait. Donc, au niveau du centre de secours, nous avons environ une vingtaine de véhicules. Donc, un secours routier, un moyen aérien, la grande échelle. Ah, la fameuse. La fameuse grande échelle qui monte à 30 mètres. L'ambulance. Et le fourgon pour aller sur des feux urbains. Celui-là, il faudrait peut-être revoir un peu les amortisseurs, ça tape un peu au fond. Ah, je vais voir ça. Est-ce qu'on peut aller voir? Il y a un entraînement là-bas, non? Oui, tout à fait. Donc, c'est une formation sur les techniques de lance. C'est d'ailleurs pour ça que vous m'avez donné cette magnifique tenue. Voilà, la tenue de feu complète. Ah bah, je vais aller voir Pascal, alors. Voilà. Pascal, comment on se retrouve? Voilà, je suis presque prêt là, il me manque juste la maîtrise de la lance. Alors la maîtrise de la lance là, c'est un binôme qui s'entraîne à travailler avec sa lance, car ça c'est le seul outil qu'on va avoir quand on va être face à l'incendie. Alors, on est toujours en binôme? Toujours en binôme, d'accord, le binôme est indissociable, en partant de ça, c'est tout un règle qu'il faut respecter la plupart du temps, enfin d'accord. Toujours. Alors est-ce que ça se manie un peu comme le tuyau d'arrosage de ma grand-mère? Pas vraiment, non. Pas vraiment, là on a une lance où on peut régler déjà la forme du G, donc là on est en G droit, là on va venir se mettre en G d'attaque, d'accord. Vous voyez le G il est déjà un peu plus large, oui. Et là ici pour protéger le binôme on aura un G diffusé de protection, d'accord. On peut aussi régler le débit, donc ici on a une molette, et là vas-y touche Evan. Donc là on a un petit débit, 150 Allez. Litres minutes, et tu peux aller jusqu'à 500 litres minutes avec cette petite violence. Allez on vise la tour. Allez vas-y, ouvre. Bon, j'arrive pas à tourner. Et vous voyez le binôme là, déjà c'est un peu plus dur pour lui. Bon alors, pourquoi vous m'avez mis une bouteille d'oxygène dans le dos? Alors Evan, c'est pas de l'oxygène, c'est tout simplement de l'air pour que tu puisses respirer dans la fumée. Car la fumée, elle est toxique, donc il faut avoir de l'air avec toi pour pouvoir rentrer dans le feu. D'accord, et du coup la fumée qui sort, là c'est la pour fumée, moi? La fumée qui sort, là c'est pour toi, t'y vas tout de suite parce qu'il y a le feu, il faut que tu réagisses vite. On y va. Allez, c'est parti. Aïe. Tu t'équipes tranquillement. Je me suis pris dans l'œil, tranquillement. Ça va Evan? Donc c'est ta première au feu, d'accord? C'est ça. Tout simplement, tu respires dans le masque, tu prends la lance avec mon collègue et t'es parti au feu. Allez, à l'attaque du feu.